Bonjour, je vous propose aujourd'hui de comprendre comment déterminer les critères de choix d'un produit, d'un service ou d'une marque. Pour ce faire à l'agenda, nous allons voir qu'il existe une méthodologie spécifique qui va servir dans un premier temps à déterminer les critères de préférence, ce qu'on appelle les critères importants. Ensuite, d'évaluer le degré de présence perçu de chaque critère pour chacun des produits concernés, ce qu'on appellera le positionnement. Et enfin, étudier l'univers concurrentiel, la performance du produit, du service, de la marque. Tout cela en vue d'optimiser le positionnement. Quand on s'intéresse aux différentes étapes de la méthodologie, le premier point à comprendre, c'est comment peut-on déterminer les critères de préférence que le consommateur ou l'acheteur va trouver essentiels pour son choix. Ensuite, comment évaluer l'importance des critères de préférence, analyser les préférences dans le choix des consommateurs, évaluer le degré de présence perçu, étudier l'univers concurrentiel, comparer les performances des différents produits, services des marques et enfin optimiser le positionnement. Quand on veut déterminer les critères de préférence, on peut se référer à deux sources différentes. Soit on dispose d'une enquête précédente ou d'une enquête comparable, c'est ce qu'on appelle la recherche documentaire ou la desk research, alors on peut aller chercher ces données. Une autre source consiste à mener une étude qualitative qui a pour but de comprendre comment les personnes raisonnent, soit sous forme d'un focus group, soit sous forme d'entretien individuel. À noter qu'il est souvent plus efficace de mener l'enquête sous forme de focus group quand il s'agit de comprendre les critères communs à un certain nombre de consommateurs. Utiliser la recherche documentaire exige de répondre à cinq questions qui vont permettre de valider les informations consultées. La première, les données disponibles rencontrent-elles les besoins de notre étude? S'il s'agit du même produit, administré dans les mêmes conditions, consommé selon les mêmes habitudes, alors on peut se dire qu'il y a de fortes chances pour que les critères soient identiques. Attention, si un critère change, le reste des critères peut être modifié. Seconde question, existe-t-il un biais dû à l'environnement de l'étude? Une étude réalisée dans un pays n'est pas immédiatement transposable à un autre pays. De même, même si elle est faite dans les mêmes conditions, le plan de recherche était-il techniquement adéquat? C'est notamment le cas quand on veut comparer plusieurs produits. A-t-on pris le temps de comparer plusieurs produits identiques ou s'est-on limité à comparer un seul produit par rapport à un seul autre? Enfin, la recherche a-t-elle été conduite correctement? Menés selon les règles de l'art et les résultats sont-ils correctement rapportés? Si c'est le cas, on peut imaginer que les résultats seront probants. Maintenant, on peut aussi utiliser la recherche qualitative. Dans ce cadre-là, la recherche qualitative, il serait important de prendre en compte quatre éléments. Le premier, il ne faut certainement pas se limiter au rationnel, interroger un consommateur et noter de but en blanc ses réponses. On peut utiliser des méthodes comme la pensée latérale qui vont déterminer les critères essentiels. Sinon, on va se retrouver avec des choses bien connues, des critères socialement admis. Il est important aussi de mixer les profils des personnes interrogées dans le but de saturer l'information. Si on ne prend qu'un profil de consommateur, qu'un profil de répondant n'aura qu'une seule idée. Il est aussi important de pouvoir utiliser les techniques projectives ou issues de la créativité de manière à permettre au consommateur d'exprimer toute la richesse de son propos.
Et enfin, il ne faut pas hésiter à interroger un nombre suffisant de contacts pour saturer l'information. Quand on veut évaluer l'importance par le consommateur, on va être vite conduit à mener une enquête de nature quantitative. On voudra quantifier le nombre de consommateurs intéressés. Dans le cas de ce questionnaire, plusieurs principes sont à respecter. Tout d'abord, le consommateur doit comprendre les critères proposés. Donc, on évitera le jargon, on évitera les termes trop spécifiques, mais aussi d'être trop précis dans la formulation de certains éléments que le consommateur ne maîtrise pas. On va aussi valider le fait que le consommateur est capable d'évaluer leur importance et capable de pouvoir exprimer ses choix de manière spontanée. Donc, on formulera une question de manière spontanée, par exemple, quand vous achetez un produit alimentaire, quels sont pour vous les critères de choix les plus importants? Et ensuite, de manière aidée, on va citer un nombre de critères et on va demander aux consommateurs d'évaluer leur importance. Par exemple, sur une échelle généralement de 1 à 5. Il s'agit bien dans ce cas du choix d'un produit en général. Il ne s'agit donc pas de comparer la marque A à la marque B, mais plutôt de déterminer quels sont les critères importants, quelle que soit la marque choisie. Si vous voulez consulter un exemple d'étude, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Autre élément important, c'est comment analyser les préférences du consommateur quand on a les résultats à la question posée. On aura d'un côté ce qu'on appelle le top of mind, c'est-à-dire le premier à l'esprit, et ensuite on aura les autres critères cités de nature spontanée. Le principe, c'est qu'on va utiliser un tableur pour traiter les résultats, en calculant les fréquences relatives, les pourcentages, et on pourra ensuite visualiser l'importance des critères via un histogramme de position. Distinguons dans ce cas-là les préférences top of mind et ensuite les autres préférences spontanées. Quand on veut analyser les préférences des consommateurs, il est souvent plus utile de présenter ces résultats sous forme d'un histogramme de position. On va ainsi avoir un certain nombre de barres horizontales qui vont reprendre d'un côté les préférences top of mind, donc le premier à l'esprit, en couleur turquoise, les autres spontanées, préférences spontanées en bleu, et enfin en vert, les préférences aidées. L'idée est d'établir un classement par ordre décroissant, du plus élevé au plus bas, et d'identifier les préférences salientes. Ici, ce qu'on appelle les préférences top of mind en bleu turquoise, elles fixent la décision finale du consommateur. Ces composants sont essentiels dans le choix du produit. Et de les distinguer des préférences déterminantes, c'est-à-dire les critères d'évaluation et d'appréciation. Si vous voulez, les composantes déterminantes qui vont différencier les produits ou les marques. Ainsi, on va voir que le prix est une composante saliente. En effet, si les produits proposés n'ont pas un niveau de prix acceptable, le consommateur ne va pas les prendre en considération. Mais si le niveau de prix est perçu comme satisfaisant ou quasi identique, ce sont d'autres critères qui vont être pris en considération et dans ce cas-ci, ce sont ceux qui auront les préférences aidées les plus importantes. Nous revoyons ici les trois composantes qui composent les indicateurs saliants, le prix, la qualité et la fraîcheur, et ensuite les trois composantes qui composent les préférences déterminantes, le goût, la sécurité et l'odeur. Pour évaluer le degré de présence perçue, on va traiter les résultats pour un produit déterminé ou pour une marque. On n'est donc plus dans le cas précédent où on comparait l'importance des différents critères, mais ici on va regarder comment chaque marque permet de percevoir un critère. On va évaluer ce degré de présence
et on va attribuer ces critères à chaque produit en particulier. Il s'agit donc bien du choix d'un produit spécifique ou d'une marque et non d'un produit en général. Pour cela, on peut utiliser un différentiel sémantique. Sur l'exemple pris ici, on voit la comparaison qui est exercée entre deux produits. D'un côté, un produit testé et un produit concurrent. L'on voit que le produit testé est plus apprécié sur le critère « respecte l'environnement », la qualité du produit et sur les nombreuses options. Par contre, il n'est pas apprécié pour le prix, puisqu'on voit que ce prix intéressant est plus apprécié par le produit concurrent. Le principe consistera à traiter les résultats via un différentiel sémantique. Ça permet de visualiser rapidement la perception et de comparer les produits ou les marques testées. On peut aussi étudier l'univers concurrentiel. L'univers concurrentiel consiste à reprendre les différents critères d'importance, le premier critère, le second critère, pour des raisons de lisibilité. On représentera toujours le premier critère d'importance sur l'axe horizontal et le second critère d'importance sur l'axe vertical. Pour chacun de ces critères, on va positionner chaque marque. Ici, nous avons la marque M1, M2, M3, M4 et M5. Qu'est-ce que l'on voit? Les marques M1 et M2 sont très bien positionnées sur les deux premiers critères et donc sont relativement semblables en termes de concurrence et d'efficacité. Par contre, si on voit la marque M4, elle a une perception très faible sur le premier et sur le second critère. La marque M5 est mieux positionnée sur le premier critère, par contre, n'est pas nécessairement bien positionnée sur le second critère. Le principe, on va comparer la marque, le produit ou le service spécifique. On va utiliser une méthode quantitative pour évaluer le degré de présence du critère par rapport aux produits concurrents. On peut comparer les produits, les marques testées. On peut aussi comparer les performances d'un produit. Dans ce cadre-là, on va utiliser une méthode qu'on appelle l'indice de Fishbein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indice de Fishbein? C'est une somme pondérée des attributs considérés par l'importance et son degré de présence. Comment cela fonctionne-t-il? On prend une enquête quantitative dans laquelle on pose un certain nombre de questions aux consommateurs en but d'établir un indice global. La méthode de Fishbein est relativement simple à utiliser. On va déterminer les attributs pertinents à utiliser et pourquoi pas le faire via une étude qualitative ou une recherche documentaire préalable. On va ensuite tester l'importance de ces attributs et tester la présence des attributs pour chaque produit, service ou marque. Alors voyons en détail comment fonctionne cette méthode. Prenons le cas des attributs. L'attribut, il s'agit d'abord de mesurer le degré de présence des attributs importants dans le choix du produit. Ça sera donc les mêmes attributs pour chaque marque. On va demander aux répondants d'attribuer une cote de présence et on va calculer une moyenne globale. Ainsi, on pourrait formuler de la manière suivante. Je vais vous citer une série de critères qui interviennent dans le choix de ce produit. On cite la marque et le produit. À chaque fois, je vais vous demander de me donner une cote de 1 à 5. 1 signifie « ce n'est pas du tout le cas », 5 signifie « c'est tout à fait le cas ». Ainsi, si je vous dis, on cite l'attribut et la marque, le produit X est bon marché par exemple, quelle cote de 1 à 5 lui attribuez-vous? Il est important dans ce cas de bien préciser les limites de l'échelle en donnant ce que signifie la valeur 1 et la valeur 5. Ensuite, on va poser la question, non pas pour une seule marque, mais pour l'ensemble des marques que l'on veut comparer ou l'ensemble des produits que l'on veut comparer. Imaginons que l'on compare trois produits, on posera la question pour le produit 1, le produit 2 et le produit 3. L'étape suivante consiste à mesurer l'importance de chaque attribut, de calculer une moyenne globale. On pourrait formuler la question comme ceci, ces critères n'ont sans doute pas la même importance à vos yeux. Je vais vous demander à présent de donner une cote de 1 à 5. 1 signifie « ce n'est pas du tout important », 5 signifie « c'est tout à fait important ».
Ainsi, si je vous dis, bon, c'est de l'attribut, par exemple, le prix, quelle cote de 1 à 5 lui attribuez-vous? Et le répondant donne à nouveau une cote de 1 à 5. Voyons maintenant les résultats. Imaginons ici qu'on ait testé trois marques reprises dans les colonnes 2, 3 et 4, pour la marque 1, la marque 2 et la marque 3, et chaque fois, nous avons pour chacune des marques en ligne un critère. Par exemple, le prix, le degré de présence du prix est estimé à 8 sur une échelle de 1 à 10 pour la marque 1. Pour la qualité, pour la marque 1, le critère vaut 4 sur une échelle de 1 à 10. Et pour la variété, le critère vaut 2 sur une échelle de 1 à 10. Pour la marque 2, le prix vaut 5. Pour la marque 3, le prix vaut 7. C'est ainsi qu'on peut dire que la marque 8 est mieux cotée que la marque 3, puisqu'elle vaut 1 de moins, que la marque 5 qui vaut 2 de moins. Élément suivant, c'est l'avant-dernière colonne, c'est l'importance. Évidemment, on voit tout de suite que le prix a une importance de 5, la qualité une importance de 4 et la variété une importance de 1. Dès le moment où on a ces données, on peut donc calculer un indice pour chacune des marques. L'évaluation sera la suivante. Prenons le cas de la marque 1. On va prendre le prix 8 multiplié par l'importance du prix 5 plus 4, la qualité multipliée par l'importance de la qualité 4 plus la variété 2 multipliée par l'importance de la variété 1. 8 fois 5 plus 4 fois 4 plus 2 fois 1, ça nous fait 58. On procède de la même manière pour la marque 2 et la marque 3. Et on peut tirer ainsi un certain nombre de conclusions. Première conclusion, la marque 3 est la plus appréciée des 3 puisqu'elle a un indice de 67 par rapport à la marque 2 qui n'est que 65 ou la marque 1 qui n'est que de 58. Imaginons maintenant que vous soyez la marque 2. La question, c'est de se dire comment faire pour être plus apprécié que la marque 3 qui est le concurrent le plus dangereux. Dans ce cas-là, il suffirait de dépasser de 3 unités la marque 3. Comment peut-on faire? Regardons, on peut prendre plusieurs critères. Si on passe, par exemple, du prix de 5 à 7, il y a une différence de 2. Imaginons maintenant qu'on baisse un peu le prix pour qu'il devienne plus attractif et qu'on passe de 5 à 6. On rajoute 1 au prix. Comme l'importance est de 5, c'est 1 fois 5. Autrement dit, la cote de 65 va passer à 65 plus 5, 70. Elle deviendra ainsi la marque préférée des répondants. Ce qui n'est pas toujours évident de faire dans les autres cas, puisqu'on pourrait très bien imaginer que la qualité passe de 8 à 9. Mais attention, quand on arrive aux extrêmes les plus élevés, c'est toujours très difficile d'atteindre ces extrêmes. Et puis, si je pars de 8 à 9, je n'aurai qu'une augmentation que de 4 et plus de 5, puisque l'importance ne vaut plus que 4. Par contre, pour la variété, le fait d'encore augmenter les variétés disponibles ne sera guère intéressante, parce que même si j'arrive à 10, je n'aurai qu'une croissance de 2, puisque l'importance n'est que 1, et 1 fois 2 égale 2. Ce qui fait que j'aurai 67 pour 67, je ne serai pas meilleur. On peut bien sûr procéder encore d'une autre manière en développant une analyse multivariée. Alors on va traiter les résultats en prenant toutes les dimensions du produit, tous les critères qui sont importants dans le choix d'un produit. Dans ce cas-ci, sur l'exemple, on a pris tous les critères, leur appréciation positive en vert, leur appréciation négative en rouge. On peut avoir un prix qui est considéré comme attractif en vert ou un prix qui est considéré comme peu attractif en rouge. L'intérêt de cette analyse multidimensionnelle, c'est qu'on peut comparer l'ensemble des produits ou l'ensemble des marques simultanément. Et donc, très visuellement, on voit directement le type de résultat que l'on obtient. Dans ce cas-ci, on verra que certaines marques étant plus proches des données en vert sont appréciées pour ces données, certaines marques étant éloignées de ces données
ou proche de certaines données en rouge sont moins appréciées pour ces critères. La méthode utilisée, c'est l'analyse factorielle des correspondances binaires. Il est aussi possible d'optimiser le positionnement. Alors, le principe, on va positionner le produit ou la marque sur une matrice importance-présence supérieure ou inférieure à la concurrence. Ce qui est nécessaire, donc, d'avoir d'une part l'importance des critères et d'avoir leur évaluation pour chaque marque. On va donc ainsi adapter le positionnement comme le présente la matrice. Alors, le principe sera le suivant. On peut consolider l'avantage concurrentiel sur base d'une présence élevée pour les critères importants. On peut améliorer la perception du produit en cas de faiblesse concurrentielle. C'est ce qu'on appelle une présence faible pour les critères importants. On peut désinvestir ou se maintenir en cas d'évaluation supérieure à la concurrence pour des critères jugés peu importants. Regardons maintenant une application. Je vous propose à présent de regarder une application concrète de cette matrice importance versus présence. Sur cette matrice, nous avons deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Sur l'axe horizontal, nous avons positionné sur la gauche les critères qui sont moins appréciés que ceux de la concurrence. Autrement dit, c'est les attributs sur lesquels les consommateurs cotent moins bien le produit analysé ou la marque par rapport à ceux de la concurrence. Sur le côté droit, ce sont les critères qui sont jugés supérieurs pour notre produit par rapport à ceux de la concurrence. Sur l'axe vertical, on va avoir tout au-dessus du graphique les critères jugés importants et sur le bas du graphique, les critères jugés peu importants. De cette manière, nous aurons quatre zones. La première zone, ça sera une zone où nos critères sont meilleurs que ceux de la concurrence, donc nos attributs, nos produits sont jugés de meilleure qualité, et pour des critères importants aux yeux des consommateurs. Dans ce cas-là, nous sommes en présence d'un avantage concurrentiel, et donc la stratégie consistera à ne rien changer. Deuxième possibilité, nous allons nous retrouver dans une zone où les concurrents sont considérés comme meilleurs que nous, nos critères sont moins bien perçus que ceux de la concurrence, et par contre, on est dans une zone où ces critères sont très importants. Dans ce cas-là, nous sommes face à une faiblesse concurrentielle, nous avons intérêt à modifier prioritairement cette perception. Troisième cas, nous sommes dans une zone où les critères présents sont jugés comme peu importants et où nous sommes moins bien cotés que les concurrents. Dans ce cas-là, ce sont des critères secondaires, à la limite, ne changeons rien. Petit bémol, tout cependant, si nous n'avons pas de faiblesse concurrentielle dans la zone supérieure gauche, dans ce cas-là, alors nous pouvons encore améliorer notre avantage concurrentiel en modifiant ces critères secondaires. Et enfin, nous sommes dans une dernière zone où les critères sont peu importants et où la concurrence est meilleure que nous. Mais à la limite, si ces critères sont peu importants, nous avons intérêt soit à désinvestir dans ces critères et les moyens économisés nous permettent de réinvestir dans d'autres, ou éventuellement à les maintenir. Quoi qu'il en soit, cette matrice importance-présence nous permet d'optimiser le positionnement. À vous de jouer à présent.